Lors du deuxième épisode de Pékin Express, le choix secret diffusé ce 23 février sur M6, de vives tensions sont apparues entre Nathalie et Angie et Paloma et Jason, lors de leur recherche de voiture pour avancer dans la course. Jeudi 16 février, CIST sur les rives de l'emblématique lac Titicaca que les téléspectateurs ont découvert les 8 binômes en compétition pour la 17e saison de Pékin Express. Xavier et Céline, le patron et son employé qui ont fait beaucoup réagir lors de leur première nuit ensemble, Paloma et Jason, le couple belge qui a amusé le public pour une épreuve avec des glaçons, Cyril et Luc, le couple breton, Nathalie et Nji, le binôme d'inconnus, qui sont tombés sur un chauffeur douteux et ont préféré en changer. Tanguy et Florian, les cousins. Colette et Léa, la tante et la nièce qui ont fait face au mal des montagnes. Alexandre et Chirine, les amoureux stratèges qui se sont déjà écharpés parce que le jeune homme est resté pétrifié devant une tyrolienne. Et Alexandra et Laura, les sœurs. Stéphane Rothenberg a annoncé la nouvelle règle de cette saison, le choix secret. Désormais, chaque équipe choisit secrètement le binôme qui va affronter les derniers arrivés. Affinité, stratégie. Le choix n'est pas simple. Pékin Express 2023, le binôme d'inconnus et le couple belge s'écharpent sur le bord de la route au final, Nji et Nathalie, le binôme d'inconnus, ont été choisis. Léa a affronté Nathalie mais si est-il la quinquagénaire qui a rejoint sa binôme en premier. L'aventure s'arrête définitivement pour Colette et Léa qui ont découvert, en ouvrant l'enveloppe noire, que l'épreuve était éliminatoire. Ce jeudi 23 février, pour cette nouvelle étape avec un passage dans le désert d'Uyuni, le plus grand désert de sel au monde, en deuxième partie de course, le binôme d'inconnus et le couple belge se sont affrontés lors de leur recherche de voiture, et des tensions sont apparues. Alors que Paloma et Jason étaient sur le bord de la route et débutaient leur stop, Nathalie et Nji les ont rejoints et dépassés. Je vais pas aller pleurer dans les jupes de ma mère, moi je suis à un endroit bien stratégique, je sais pourquoi je suis là et je bougerai pas, explique Jason, placé sur un ralentisseur. Si IST alors qu'une voiture ralentit, mais au niveau des Belges. Nathalie, qui pensait profiter du véhicule, accourt alors, furieuse, « Ah non non, je suis écœurée », et Nji d'ajouter, « Franchement en voyant ça, ça me fout la rage, je suis choquée. » Mais elles se sont crues où? Si ça si est pas du vol ce que tu voulais faire là, assène Jason à Nathalie alors que le Belge monte dans la voiture. Ça si est du vol, il s'arrête pour nous, se défend alors la quinquagénaire. Là elle dit, c'était notre véhicule. Il fait marquer ton nom dessus? Non je ne pense pas. La route t'appartient? La Bolivie est à toi? Je n'étais pas au courant. Mais elles se sont crues où? Bougonne Jason. On était au ralentisseur, vous étiez plus loin désolé, explique le Belge au binôme d'inconnus. Bien mal à qui ne profite jamais, lui rétorque Nathalie, les voyant s'échapper. Elle est vraiment mauvaise joueuse, lâche Jason. On est écœuré mais on n'a pas dit notre dernier mot, prévient enfin Nathalie. Paloma et Jason s'enfuient à bord de leur pick-up. Quelques minutes plus tard, les inconnus trouvent une voiture. Mais le couple belge a été déposé par leur voiture qui a provoqué leur clash. Et manque de chance, la route est déserte. Au bout d'un moment, Nathalie et Nji, toujours à bord d'un véhicule, les ont rattrapés, et dépassés. Si est-ce qui ?
CIST les enfoirés. Dans ta tronche. J'espère que tu vas mariner pendant des heures, lâche la quinquagénaire, vengeresse. Dans ma tête CIST tché. Bien fait, note de la rédaction, tu voulais me provoquer, le karma t'a touché, a ajouté NG. Ambiance. À lire aussi il n'a pas l'air très net, Nathalie et NG, Pékin Express 2023, change de véhicule à cause d'un chauffeur douteux.